Démarrage du jeûne du Ramadan ce dimanche 29 juin 2014. Et pour marquer le début de cet événement, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a prononcé une allocution que je vous invite à suivre un extrait. Il est au micro de Paulin Siaki et Pierre Claver est là. Qui nous a ombragés depuis quelques heures par cette hôte de marque qu'est le mois béni de Ramadan. Paix et salut divin sur ce bien-aimé Mohammed qui a qualifié le jeûne obligatoire au cours de ce mois-ci comme l'hygiène du corps et de l'âme. Vu la grandeur hautement spirituelle du mois béni de Ramadan, tel que défini par Allah et ensuite par son messager, tout acte dévotionnel exclusivement accompli pour la cause d'Allah y est pleinement récompensé. Quant au jeûne au cours de celui-ci, Allah s'en est auto-approprié et se déclare le seul et unique évaluateur et compensateur de ce jeûne. Gloire donc à Allah, le Créateur, pour ce qu'il a fait du mois de Ramadan pour nous, ses créatures. Et béni soit alors ces créatures qui l'ont ainsi assimilé et magnifié. Nous vous exhortons donc à l'observation scrupuleuse des injonctions sacrées d'Allah explicité par le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, relative au mois de Ramadan, à ses jours et nuits, à surtout à leur fertilité pour les semences de l'au-delà.